aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va au parc des expositions pour voir l'expo sur Game of Thrones. Yes! On va essayer de filmer, je sais pas si à l'intérieur on a le droit. Donc on vous montrera ce qu'on peut vous montrer et puis au pire on se retrouve juste après. A tout à l'heure. On est arrivé. Et là on va se poser manger parce qu'on a faim. Sac bol. Bon à Floulou. Chez ma belle-mère, on est allé regarder le match de foot et alors on vous parle. On est en finale! Vous verrez cette vidéo, vous saurez déjà si on a gagné ou pas. Ce qui est quand même. Ouais, c'est dingue. Vous avez de la chance quoi. Mais bon, c'est pas encore, on a hâte. On voulait vous montrer juste ce qu'on a acheté à Game à l'exposition Game of Thrones. Alors, déjà, on a fait les vieilles meufs. Nous avons acheté des photos souvenirs. 25 euros les deux photos. Donc en fait à l'expo c'était assez cool. Il y avait plein de costumes. Je vous mettrai ce qu'on peut mettre, je veux pas trop vous spoiler. Donc on va pas mettre toute l'exposition. On va vous mettre nos passages préférés, les petites photos qu'on a prises là-bas, parce qu'il y a plein d'endroits assez chouettes dans lesquels on peut prendre des photos. Donc on a pris deux photos. Ouais. Des photos exceptionnelles vraiment. Bon, je sais pas quelle maison, pour quelle maison vous êtes. Mais moi je suis pour celle-là, mais c'est ma photo. Et ça c'est la sienne. Non, tu m'avais dit que c'était la rouge la mienne. Non, enfin, c'est toujours la maison Stark. Tu renies tes origines. Donc voilà, donc attendez, je vais essayer de vous montrer. Tu renies tes origines. Ma grand-fose. Si jamais vous voyez nos boutons, dites rien. C'est exactement genre la même, c'est juste que là c'est House Stark et of course House Targaryen. On a craqué dans la bouche. Si pareil, on a craqué sur le même t-shirt. J'ai derrière. Il écrit du coup le titre de Daenerys. Donc ça c'est tout ce qu'on a acheté à Game of Thrones et franchement c'était une super expo. D'ailleurs dans la vidéo swap que vous verrez et on a tourné aussi accessoirement cet après-midi, on est allé tourner après l'expo, c'est pour ça qu'on vous a pas retrouvé. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a regardé le match des bleus. Ah oui, et donc on s'est changé pour la soirée de ce soir, regarder le match des bleus. Et là on vient de revenir. Et on s'est dit que pour finir la soirée, ce qui était bien, c'était tranquille, de redescendre en émotion. On va se faire des petits masques, je pense. Et j'ai très envie. Petit masque. Elle est très contente de dire ça. J'ai très envie de manger une glace Kinder Bueno. Je sais pas du tout si c'est bon. Non, on a acheté ça aujourd'hui. Donc on va globalement faire un masque en mangeant un Kinder Bueno et en sûrement regardant le film Iron Man, le 1. Parce qu'elle l'a pas vu. Ouais. Elle ne l'a pas vu. Enfin, elle ne l'a pas vu du tout. Première chose, on a payé les places 19 euros par personne. 19 euros, 90 ou 50, je sais plus, par personne. On va dire 20 euros pour arrondir. Est-ce que ça valait le coup, genre niveau rapport qualité-prix, pour ceux qui sont fans de la série, qui ont regardé de la saison 1 à la saison 7, parce que la 8 n'est pas encore sortie. C'est génial. Vous avez les ambiances qui sont très bien retranscrites, les costumes qui sont très bien présentés, les armes. On peut faire ouais, pas mal de belles photos. Il y a même des endroits où vous verrez, on vous mettra, on vous incrustera 2-3 photos par là pour vous montrer qu'on a pris des photos avec les épées, les différents fonds. Par exemple, j'ai pris une photo avec l'épée needle aiguille de Daria Stark qui était très chouette. Elle en a pris une aussi. Pris avec l'épée de Ned Stark aussi. Enfin, vous verrez, on a pris plein de petites photos comme ça. On vous les affichera. Et combien de temps ça a duré? On a mis une heure en prenant vraiment notre temps. Et sachant qu'il n'y avait personne dans les. Enfin, il n'y avait personne à l'exposition. On n'était pas beaucoup, on est allé le matin. 15 Je dirais une vingtaine de personnes, 15-20 personnes. 15-20 personnes. Il n'y avait, avait pas grand monde. Ouais. On avait pris nous les places sur internet, donc on avait eu les. Billets coupe-fil. Les billets coupe-fil, ça nous a servi à rien parce que à l'heure où on est arrivé à 10h. Ouais. Il n'y avait personne. Non, donc c'est très chouette. Donc si vous devez aller à une horaire et que vous voulez qu'il n'y ait pas trop de monde.
allez-y à 10h. En tout cas, nous, c'est le moment où on a eu du coup personne. On peut dire que c'était un très bon rapport qualité-prix. Ouais, je pense que c'était très bien niveau rapport qualité-prix. Après, pour ceux qui connaissent pas bien la série, qui veulent quand même aller voir les costumes, parce que c'est quand même des super trucs à voir, vous avez la possibilité sur place d'acheter ce qu'on appelle un audio guide. Genre les moments qu'il y a, les costumes, dans quelle saison ils apparaissent, qui voilà, sont un peu plus de l'histoire. Après, par contre, si vous connaissez pas et que vous comptez regarder Game of Thrones après l'expo, dans la première salle, vous êtes spoilé de la saison 7. Donc, regardez la série avant d'y aller, parce que sinon, bah, vous avez la fin, quoi. Là, je vais pas spoiler, je vais pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas regardé. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout. Si vous avez plus de questions, mettez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. On se retrouve après, ou pendant le masque. À la prochaine vidéo. On verra. À plus tard, bisous.